Nagetis et Philippe Mantel, avant-propos de Nicola Montigiani, enquête et témoignage sur les enlèvements extraterrestres au Royaume-Uni, les documents de l'inexpliqué, édition de Sèvres. Je vais vous lire le chapitre 12, c'est extraordinaire. Là, c'est chapitre 12 et plus étrange encore. Juste avant, c'était rencontre approchée de type sexuel. Et là, on passe encore à un autre truc. Complètement délirant. Je vais vous lire Suzanne Braun. Très intéressant avec Mirico, je crois, c'est ça. Enfin, des trucs complètement perversité, tout ce que tu veux. Bon, là, c'est vraiment. Je vous montre déjà le chapitre 2, c'est ici. Voilà, Suzanne Braun. Voilà, il n'y a pas beaucoup de pages, mais bon, il y a peut-être une petite demi-heure, mais c'est toujours ça de prix. Allez. Pour la première fois traduite en français, cette édition soigneusement révisée et enrichie du best-seller britannique Wyntoun's Consent, publiée pour la première fois en 1994, nous offre de nouveaux témoignages, des documents exclusifs, des photographies et illustrations jamais produites, aujourd'hui rééditées à la demande générale dans les pays francophones. Ce véritable classique de la littérature ufologique, qui est le premier ouvrage à se concentrer sur l'un des domaines les plus controversés de la recherche sur les observations. Les objets volants non identifiés, les récits d'enlèvement extraterrestre en Grande-Bretagne, unique en son genre, conçu de manière à ce que le lecteur puisse se faire sa propre opinion, sans consentement, examine avec honnêteté, rigueur et sérieux l'ensemble des aspects de ce phénomène hautement étrange, dresse la longue liste des cas d'enlèvement et de missing time les plus remarquables, dont beaucoup sont ici publiés pour la première fois. Elle expose les principales théories qui jettent une lumière crue sur l'envers d'un décor qui pourrait s'avérer terrifiant. De toute façon, ce que je voulais dire là, alors, malheureusement, j'avais commencé à faire la vidéo, je voulais la télécharger, j'ai tout enlevé, parce que la vidéo, elle passait pas dans plusieurs pays. Parce que j'ai mis une musique de Blade Runner, et les droits d'auteur sur celle-là. Pourtant, celle-là, j'ai déjà mis plusieurs fois, ça passait tout le temps. Mais peut-être en baissant le son, quand je fais ma vidéo normale, mais quand c'était à la fin, j'ai mis à fond. Et quand je passe les images du livre. Donc je me suis dit, ben, c'est rien, je vais la refaire, c'est pas grave, de toute façon. Quitte à la refaire plus au propre, voilà. Donc du coup, ben, à cause d'une musique de droit d'auteur, ben, du coup, j'ai pas, je l'ai enlevé, j'en ai mis une autre. Mais c'est pas grave. Carl Nagetis a longtemps été journaliste et à Fleet Street, Londres, en travaillant pour de nombreux périodiques nationaux avant de créer sa propre société de relations publiques. Aujourd'hui à la retraite, il vit avec sa femme et sa famille dans le Chichar. Alors moi je suis nul en anglais. Philippe Mantel était un chercheur et auteur britannique mondialement connu dans le domaine des ovnis. Il a été directeur des enquêtes pour la British UFO Research Association Bufaro et représentant du Mutual UFO Network, MUFON, pour l'Angleterre, et le fondateur des éditions Flying Disc Press, et réside à Pontefract, Yorkshire de l'Ouest. Alors, Flying Disc Press, ça rejoint le site Flying Disc France, de mon ami Jean-Yves Bréau. Voilà. Et ça, vous le trouvez tous ces livres-là, Flying Disc France, sur Amazon. J'en ai tout plein, j'en ai un qui est énorme. OVNI au Brésil, il est énorme, celui-là, il est magnifique. Au lieu de mettre presse, vous mettez France, vous mettez Jean Libreiro, L-I-B-R-E-R-O, Jean, sur Amazon, ça vous allez trouver. Voilà. Sans consentement. Allez, là, je vais vous lire un passage très, très intéressant. Et plus étrange encore, chapitre 12, en page 142. Ouais, je préfère le. C'est dommage. Du coup, je me dis, bon, attends, le refaire, de toute façon, ça va assez vite. Chapitre 12 est plus étrange encore, avant de passer à l'histoire de Suzanne Braun. Écoutez, bon. Quelle que soit la cause, quelle que soit la victime, c'est l'étrangeté des phénomènes d'enlèvement par des extraterrestres qui les distingue de presque toutes les autres expériences humaines.
En fait, les enquêteurs attribuent à ces rapports une valeur d'étrangeté allant de faible à élevée, puis la valeur d'étrangeté élevée, puis il est difficile d'expliquer les événements en cause. Comme l'a dit un enquêteur, si un individu déclare avoir vu une lumière étrange dans le ciel, il est probable que ce soit un satellite, une planète ou peut-être même un avion. Il est peu probable que cette lumière soit un vaisseau spatial pour les personnes qui connaissent bien le ciel. En revanche, si quelqu'un affirme avoir vu un ovni qui le téléporte à l'intérieur de l'engin, ou il engage une conversation télépathique avec un groupe d'extraterrestres, la valeur de l'étrangeté monte en flèche. C'est pour ça qu'ils font de ça depuis la nuit des temps. Ben, par rapport à notre ADN, etc. C'est ce que je disais une fois dans une vidéo, voilà. Parce qu'il y en a, si tu imagines toujours, le premier cas d'enlèvement, c'est Betty et Barney Hill. Ben non, c'est pas de là. C'est toujours pareil. Et Ezekiel, la vision d'Ezekiel, vous croyez que c'est quoi? Ben voilà, c'était il y a plus de 2000 ans. Bon, si la personne a enlevé ses scènes d'esprit est crédible, aussi à plus de témoins, l'événement n'est pas facile à expliquer, sauf à invoquer une hallucination collective, une explication commode pour les sceptiques, pure et dure, à défaut d'être convaincante. Pour les néophytes en ufologie et en phénomène d'enlèvement, les récits compilés dans cet ouvrage paraissent trop déjà suffisamment extraordinaires. Pourtant, pour Rick Morris du British UFO Study Center à Winsford, dans le Cheshire, les enlèvements à haute étrangeté sont de plus en plus courants grâce à une armée croissante d'enquêteurs amateurs désireux d'offrir une oreille compatissante aux victimes d'enlèvements extraterrestres. Les témoignages d'abduction nous parviennent régulièrement et de nos jours, les gens sont plus enclins à parler de leur expérience qu'à mes débuts. Il y a plus de 20 ans, lorsque les gens étaient davantage susceptibles d'être victimes de moqueries, déclare Eric, grâce à l'ouverture d'esprit de la société dans son ensemble, les personnes enlevées peuvent désormais être enclins à raconter les détails de leur expérience. Cependant, un enquêteur doit posséder un niveau considérable de compétences sociales pour mettre le témoin à l'aise et gagner sa confiance. Une fois cette confiance établie, vous pouvez alors analyser ensemble les détails des événements et enrichir le domaine de l'ufologie tout en aidant l'abducté à intégrer son vécu. Eric et sa femme, Linda, ont l'habitude de s'occuper des personnes qui se trouvent dans des situations de crise. Grâce à leur carrière d'infirmier, c'est peut-être pour cette raison qu'ils ont répertorié des centaines de cas, dont un grand nombre d'abductions. Les personnes enlevées qui se rendent au British UFO Study Center pour obtenir des conseils et apprennent rapidement à faire confiance à Eric et Linda. Elles sont assurées que leurs entretiens sont totalement confidentiels et constatent que la grande expérience d'Eric en matière d'abduction les aide à replacer les expériences particulières dans un certain contexte. Eric nous a confié le dossier de Suzanne Brown, l'une de ses enquêtes les plus marquantes destinées à être examinées dans ce dernier chapitre. Comme les autres cas relatés ici, celle-ci est classée comme un enlèvement à haute étrangeté. Ça, je suis tout à fait d'accord. Vous allez voir, c'est un truc de fou, ça. Donnant du poids aux théories de la moisson génétique de Bud Hopkins, d'autres cas hautement étranges, cependant défient toute classification. Nous les publions ici pour vous permettre de vous faire votre propre opinion. Linda s'est fortement impliquée dans l'enquête sur Suzanne Brown en raison de la nature intime de l'affaire. A déclaré les expériences vécues par Suzanne étaient vraiment traumatisantes. Et nous avons aussi estimé qu'il était important qu'une femme soit impliquée dans ce type d'enquête. Il s'agit d'un sujet délicat à aborder pour toute femme. Il était donc logique que j'y participe. Suzanne savait qu'une autre femme comprendrait l'impact émotionnel que les événements ont eu sur elle. Eric ajoute, heureusement, les visites extraterrestres de Suzanne ont cessé et le fait qu'elle se soit arrêtée à l'approche de la ménopause est plus qu'une coïncidence. Donc ça a commencé à l'âge de 12 ans, ces expériences. Déjà, ça commence bien. Serait-il possible que son intérêt aux yeux des visiteurs extraterrestres s'est décliné avec la fin de ses années de fertilité? Haute étrangeté, moisson génétique et enlèvement extraterrestre. Poursuivez votre lecture et forgez-vous une opinion sur les expériences de trois femmes. Remarquable, malheureusement, Eric Morris et Bud Hopkins ne sont plus parmi nous, mais leur héritage perdure. Alors, Suzanne Brown, alors c'est sûrement son expérience de 1965 à 1989. Ça a commencé à 12 ans. Chichard, bon. Suzanne Brown ressent la présence de Mirico. Écoutez bien. Même avant d'ouvrir ses yeux fatigués et lourds pour distinguer à travers le pénombre de sa silhouette mesure,
menu, de 1,50 m debout à côté de son lit. Même après toutes ces années, sa beauté pure la stupéfie. Miriko, M-Y-R-I-K-O, enfin, c'est vrai que ça fait japonais, enfin bref, sourit et plonge son regard dans celui de Suzanne. Comme toujours, il est parfaitement soigné. Ses longs cheveux blonds fluides encadrent sa tête légèrement trop grande et tombent sur ses épaules. Il porte toujours le même costume gris, moulant, semblable à une membrane. Lisse et impeccable, les nombreuses visites nocturnes de Miriko ont commencé lorsqu'elle n'était qu'une enfant de 12 ans, si bien que son effet sur elle est presque prévisible à présent. Elle se sent calme et détendue, sans aucune trace de peur, juste de l'amour. Ses sentiments n'ont jamais changé malgré les années écoulées depuis qu'il est apparu pour la première fois dans la chambre de ses parents, dans le nord rural de Cheshire, près de la frontière galloise. Moi, je suis nul en anglais. Vie, quand je lis, je suis nul. L'anglais, c'est pas mon gros. Aujourd'hui, Suzanne est une femme d'une trentaine d'années, avec une carrière réussie, dans un grand magasin et sa propre maison confortable. Mais elle ressent toujours un frisson d'anticipation, avant même que ces mots télépathiques ne se forment dans son esprit. Elle sait que Miriko va de nouveau l'emmener. Ses expéditions nocturnes suivent maintenant un schéma, une routine qui a commencé il y a des années quand elle a suivi son étrange compagnon dans le froid et l'obscurité de la campagne de Chichar. La première fois, elle était adolescente et s'est enthousiasmée en découvrant qu'elle flottait à quelques centimètres du sol en suivant Miriko à travers les champs près de chez elle. Elle n'oubliera jamais sa première vision de l'engin qu'elle a vu flotter à 60 centimètres au-dessus du champ. Miriko l'avait guidée à travers l'entrée, le long d'un couloir sombre, apparemment sans fin, jusqu'à une porte brillamment éclairée. Il l'avait encouragée à avancer pour voir ce qui se trouvait à l'intérieur. Mais la porte avait semblé infranchissable. Pas de poignée, pas de charnière. Suzanne s'était sentie confuse, flottant toujours à quelques centimètres du sol, face à une implacable feuille de métal à travers laquelle son compagnon insistait maintenant pour qu'elle passe. Elle s'était soudain sentie propulsée vers l'avant et avait traversé le portail pour entrer dans une pièce massive dans laquelle se trouvait un groupe d'entités grises. Alors j'imagine c'est une sorte de gris, hein. Mesurant un peu moins d'un mètre, elle semblait l'avoir entendu. L'un des êtres lui avait fait signe et l'avait conduite vers un groupe d'entités plus petites qu'elle avait supposé être des enfants de la même race. Les petites entités grises s'étaient rassemblées autour d'elle, ce qui lui avait donné l'occasion de constater qu'elles n'étaient que des versions miniatures des êtres qu'il avait accueillis précédemment. Suzanne avait tendu sa main droite pour toucher les enfants, et lorsque les doigts étaient entrés en contact avec la peau extraterrestre, elle avait été envahie par un sentiment intense de satisfaction. Les êtres l'avaient encouragée. Miriko était revenue la chercher pour la ramener jusqu'à sa chambre. Cela n'avait été que la première d'une longue série d'expéditions avec Miriko. Au cours des 20 années qui avaient suivi, ils étaient revenus deux fois, parfois trois fois par an. Deux à trois fois par an, vous imaginez quand même. C'est quand même déjà pour l'emmener au vaisseau. Chaque fois, il l'avait conduite à un portail, il l'avait mise au défi de la franchir. Plusieurs fois, elle s'était retrouvée avec des curieux petits-enfants gris qui semblaient ne jamais changer ou grandir. D'autres fois, elle avait été confrontée à des scènes qui l'avaient perturbée, particulièrement lorsqu'elle avait rentré dans une pièce remplie d'écrans de télévision montrant des images d'animaux mutilés, ce qui rejoint les mutations de bétail, comme ce qu'il a eu en France en 2020-2021. Et je pense que c'est passé. On a fait des pétitions, tout ça. Voilà. Après, ils ont dit, oui, à la télé, c'est quelqu'un qui fait ça, qui coupe ça. Oui, ça fait toujours un petit peu, bon, bref. Alors, c'est bien faire des pétitions, c'est très bien, mais vous allez faire des pétitions qui ne servent à rien, puisque ce sont des races qui ne sont pas de ce monde, pratiquement. Donc, c'est ça, qui s'intéresse. Donc, ça va tomber à l'eau, hein. Malheureusement, c'est comme ça. Je peux pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Les incursions dans l'obscurité s'étaient poursuivies même pendant les années où Suzanne était mariée et vivait avec son mari. Ouais, écoutez bien ici. Écoutez bien. Miriko arrivait comme toujours et l'invitait à le suivre pendant que son mari continuait de dormir. Ce soir, cependant, Suzanne est seule suite à l'échec de son mariage. Alors qu'elle suit Miriko hors de chez elle, elle réfléchit aux facteurs qui ont contribué à leur séparation et à leur divorce. Bien sûr, leurs tentatives infructueuses pour concevoir un enfant ont jouer un rôle. Mais qu'en est-il de son obsession pour Miriko? Elle est obsédée par l'extraterrestre. En fait, c'est ça, ils aiment bien amadouer souvent. Ils sont un petit peu comme ça, pas tous, mais bon. Elle admet au moins en elle-même qu'elle a ressenti un amour plus fort pour son visiteur mystérieux que pour l'homme
qu'elle a épousé. À tel point qu'elle a même fantasmé sur lui tout en faisant l'amour avec son mari dans le lit conjugal. En fait, Mirico avait commencé à lui rendre visite lorsque Suzanne était en pleine puberté. Elle devait admettre que même à cette époque, l'excitation qu'elle éprouvait à le voir comportait un élément sexuel. Et maintenant, elle était de nouveau avec lui. Qu'est-ce qu'il va me montrer cette fois-ci? Se dit-elle en chuchotant. Alors que le vaisseau est en vue, comme toujours, le couple flotte à travers l'entrée et le long du couloir, sombre, sans fin, jusqu'à ce que Mirico s'arrête devant l'un des portails, illuminé. Il penche son regard dans le sien, lançant le défi non-verbal habituel, et cette fois, Suzanne n'hésite pas à passer à travers. La scène qui l'accueille est en fait différente. À l'extrémité d'une immense salle séparée d'elle, parce qu'elle ressemble à une piscine remplie d'un liquide de couleur verte. Se trouvant deux personnes, un homme et une femme, ils sont définitivement humains. En fait, la seule chose étrangère chez eux est leur mode de vie apparent. L'homme ressemble à un vagabond, sale, non rasé et portant des vêtements crasseux. La femme a l'allure d'une prostituée, commence bien. Cheveux blonds, décolorés, maquillés de façon excessive avec un rouge à lèvres criard et portant une tenue bon marché et légère, qui laisse peu de place à l'imagination. Ils avaient l'air choqués de me voir, déclarera Suzanne à l'enquêteur Eric Morris. Plusieurs mois après l'incident, mais ils ont commencé à s'embrasser et à se caresser, j'étais horrifié et dégoûté. Malgré son dégoût, Suzanne s'est sentie obligée de regarder la scène. De longues minutes s'écoulent, et peu à peu, son dégoût se transforme en curiosité, ses yeux et son esprit se concentrant sur ce spectacle ouvertement sexuel. Figée, Suzanne perd la notion du temps. Plus elle observe le couple, plus elle s'intéresse à leur activité jusqu'à ce qu'elle s'engouffre dans une atmosphère de luxure. Excitée, elle réagit immédiatement lorsque le couple lui fait signe de les rejoindre, réalisant soudain qu'elle est nue. La robe de nuit qu'elle portait en quittant la maison a disparu. Elle entre dans la piscine et se met à patauger dans le liquide qui lui arrive aux cuisses, hein, le liquide vert. À mi-chemin, elle s'immerge complètement dans l'étrange solution, obéissant à une instruction télépathique qui lui intime de le faire. Lorsqu'elle atteint le couple, toutes les réserves qu'elle avait mises à l'idée de se joindre à eux dans leur débauche se sont muées en enthousiasme qui ne lui ressemblait guère. Suzanne est consciente d'avoir des rapports sexuels avec l'homme et qui, de plus, est d'y prendre du plaisir. C'était moi qui faisais l'amour avec un inconnu, mais ce n'était pas réellement moi, j'étais physiquement là à me compromettre avec ces deux personnes horribles. Mon corps, mais pas mon esprit. Appeler ça un cauchemar serait une manière commode de me défiler, mais le fait est que ce qui était réel, ce n'était pas un rêve. Reconnaîtra Suzanne plus tard. Lorsque Mirico lui fait signe de la rejoindre de l'autre côté de la piscine, elle réalise à peine l'énormité de son acte. Tandis qu'elle patauge, dans le liquide vert, son esprit s'attarde sur les faits choquants qui se sont déroulés en seulement quelques instants, mais qui resteraient gravés dans sa mémoire jusqu'à la fin de sa vie. Là, tu m'étonnes. Ces événements sont particulièrement traumatisants pour une femme qui a été élevée dans une tradition de moralité bourgeoise, et pour qui la promiscuité n'est qu'un mot dans le dictionnaire. Lorsqu'elle rejoint Mirico, celui-ci semble tout à fait normal, nullement contrarié par le comportement dont elle a dû être témoin. Suzanne le suit le long du couloir et hors du vaisseau. Il n'échange aucun mot jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité dans sa chambre. Enfin, Mirico se tourne vers elle et lui sourit. « Tu as bien fait, dit-il, tu as réalisé mes souhaits. » Suzanne est trop assourdie par sa réaction pour rejoindre quoi que ce soit et regarde en silence son visiteur prendre congé. Elle dort peu cette nuit, tourmentée par ce qu'elle a fait. Tout au long de sa vie, elle n'a eu qu'un seul partenaire sexuel, son mari. Bah oui, forcément. C'est une femme normale et honnête qui vit selon un code moral auquel elle croit. Pourtant, en l'espace de quelques minutes, elle avait renoncé à ses principes et s'était comportée comme une salope. Bah, c'est écrit, hein, S-A-L-O-P-E. Mais bon, en même temps, c'est pas de sa faute. Vous savez, l'extra de ça, c'est là en train de la madouer. Vous pouvez imaginer par télépathie, ça, c'est un truc de fou. Hein, j'imagine comme si moi, je rentrais dans un vaisseau, mais d'un seul coup, je vois 2-3 nanas, puis je sais plus, ouais, extraterrestre. Mais j'ai tellement attiré que, bon, quand t'es célibataire, ça va. Bah, je pense que c'est plus fort que toi. Hein. Et à un moment, tu peux plus, quoi.
En plus que c'est des races extraterrestres, en plus plus ou moins hybrides, ça doit être déjà spécial, mais il faut imaginer le truc, hein. Elle renonçait à ses principes et s'était comportée comme une salope. Alors, elle allait devoir apprendre à vivre avec cette honte. C'est pas une honte, puisqu'elle n'a pas cherché à. Voilà, c'est ça le truc. Lorsqu'elle se réveille le lendemain matin, elle se remémore les événements de la nuit précédente avec un même dégoût. Bah oui, mais bon. Soudain, elle se rend compte que ni elle ni l'homme avec qui elle a eu des rapports sexuels n'ont pris de précautions en matière de contraception. Prise d'une envie irrépressible de se purifier, elle fait couler un bain, entre dans l'eau fumante et commence à se frotter le corps et la tête aux pieds. Dans les jours qui suivent, la honte de Suzanne est remplacée par la peur d'avoir contracté une maladie sexuellement intransmissible. Au pire, d'avoir été mise enceinte. Elle passe des heures dans la baignoire à s'examiner, à guetter les premiers signes de grossesse. Lorsque ses règles arrivent quelques jours plus tôt que prévu, elle pousse un énorme soupir de soulagement. Une grossesse aurait été le pire scénario possible. Peu à peu, sa vie reprend son cours. Elle retourne travailler à un grand magasin et s'occupe des tâches habituelles en essayant de ne pas penser à cette nuit de honte. Mais le cauchemar revient en force le mois suivant. Suzanne n'a pas ses règles, je suis juste en retard, se dit-elle avec espoir. Mais chaque jour qui passe amenuise les chances d'un retard de cycle. La perspective d'être mère après quelques instants de luxure avec un vagabond dégoûtant lui donne la nausée. Si celle-ci s'accentue les premiers signes évidents de grossesse, Suzanne tente de reprendre le cours de sa vie. Elle se rend au travail en espérant qu'aucun de ses collègues ne remarque les légers changements de son corps. Bah oui, forcément. J'imagine un peu le truc, hein. De fou, hein. Complètement démesuré. Hein. Puis rentre chez elle dans l'intimité de sa maison où son esprit se bat avec les événements de cette nuit et ses terribles répercussions. Ce qui aggrave la situation, c'est son sentiment d'isolement. La nature bizarre de ses expéditions nocturnes avec Miriko signifie qu'elle ne peut en discuter avec personne. Pas même avec ses parents, oh là là, j'imagine le truc. Alors comment expliquera-t-elle sa grossesse quand il deviendra évident qu'elle est enceinte? On a l'impression d'être dans un film, ouais, science-fiction, horreur, je sais pas comment dire ça, c'est vraiment curieux quoi. La solitude de ses cauchemars est insupportable, voilà. Où est Miriko quand elle a besoin de lui? Des semaines plus tard, en essayant, ouais, un soir, de se détendre sur le canapé de son salon avec un bon livre, elle commence à se sentir somnolente. La pièce semble s'assombrir tandis qu'une forte pression s'exerce sur son bas-ventre. La pression était écrasante et devenait très douloureuse, déclarera Suzanne plus tard. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Miriko. Les paroles télépathiques de Miriko la calment et l'apaisent, tant et si bien que la douleur à laquelle elle résiste semble s'estomper. Elle lui dit qu'elle a accompli le travail pour lequel elle a été choisie. Et que ses collègues allaient mener le bien la dernière tâche. Ils ne feraient pas prendre ce qui lui appartenait, dit-il. Suzanne perd alors connaissance et lorsqu'elle reprend ses esprits quelques heures plus tard, elle se retrouve toujours allongée, écoutez bien, sur son canapé. Elle se tient à l'estomac en réaction à la douleur qui l'étreint. Lentement, elle se lève et parvient de manière instable à se rendre à la salle de bain où elle commence à se déshabiller. Ses vêtements sont trempés de sang. Et Suzanne voit qu'elle a des saignements vaginaux abondants qui pourraient s'apparenter à une fausse couche. Des crampes vicieuses lui tiraient l'estomac, mais elle résiste à la tentation d'appeler son médecin. Au lieu de cela, elle se lave, avale des analgésiques et va se coucher. Suzanne passe les 3 jours suivants à somnoler et à se réveiller jusqu'à ce que la douleur finisse par s'atténuer. Le quatrième jour, elle remarque des ecchymoses sur son bas-ventre. Lorsqu'elle retourne au travail, elle sait que les premiers signes de grossesse qu'elle avait ont cessé, attestant une interruption de grossesse. Mais elle ne veut pas spéculer sur ce qui s'est réellement passé la nuit de la dernière visite de Miriko. Elle se replonge dans sa routine de travail et sa vie reprend son cours. Des mois plus tard, Miriko revient à Navit pour un autre voyage. Docile, elle le suit à l'extérieur dans les champs voisins, où le vaisseau les attend. Mais la similitude avec les aventures précédentes se termine là. Ils sont accueillis par un petit groupe d'entités grises, excitées, qui semblent déterminées à la féliciter. Alors, de toute façon, on devine, hein, les enfants, etc., hybrides. Puis Miriko mène la marche le long du couloir jusqu'à un portail à travers lequel elle passe sans hésiter. Elle passe sans hésiter. Une fois à l'intérieur, elle se retrouve dans ce qu'elle décrira plus tard comme
Une pouponnière. Elle peut voir des entités infantiles de différentes tailles et possiblement d'âges différents, prises en charge par un groupe d'êtres adultes. Elle s'arrête soudain lorsqu'elle aperçoit un minuscule nourrisson apathique allongé dans un lit d'enfant à proximité et se fige d'une façon ou d'une autre. Je savais que c'était cette chose venait de mon corps. On a compris. Expliquera plus tard Suzanne. Je savais aussi qu'elle avait été retirée de mon corps la nuit de la dernière visite de Mirico. Provoquant ces saignements vaginaux abondants, la petite créature grise et silencieuse semble malade. Elle résiste à l'impulsion de prendre l'enfant et de la bercer dans ses bras, craignant de lui faire mal, mais un être adulte et à proximité reconnaissant le lien mère-enfant. L'encourage à le faire. Lorsqu'elle prend délicatement le petit corps froid et rigide, elle sent qu'il réagit à sa chaleur et, en regardant dans les yeux de son bébé alien, les larmes commencent à couler sur ses joues. Imaginez le truc, hein. L'entité adulte s'approche et prend le nourrisson des mains de Suzanne en expliquant qu'il n'est pas du tout malade, qu'elle le reverra et qu'il vivra jusqu'à un âge très avancé. Alors déjà, c'est un hybride. Bon. Mirico revient pour l'escorter jusqu'à chez elle, avant de disparaître. Il la félicite, confirmant que l'enfant est bien le sien. Cette nuit-là, Suzanne dort plus paisiblement qu'elle ne l'a fait depuis des années. Elle rêve des bébés et d'enfants, et le lendemain, le traumatisme de sa relation sexuelle avec le vagabond et la douleur endurée par la suite lui paraissent maintenant d'une certaine manière justifiées. Suzanne Braun verra son enfant pour la dernière fois lors d'une dernière visite de Mirico, alors qu'elle a 39 ans. Ouais, ça doit être ça. 12 plus 25, je sais plus, 25. Ouais, je sais plus. Depuis qu'elle est ménopausée, son visiteur nocturne brille par son absence. L'enquêteur, 39 ans, ouais. L'enquêteur Eric Maurice estime que la série de rencontres vécues de la puberté à la ménopause corrobore le point de vue de théoriciens tels que Bud Hopkins, qui sont convaincus de l'existence d'un prélèvement génétique. Mais Suzanne n'est pas intéressée par les arguments ufologiques. Bah déjà, c'est ça, voilà, c'est ça le truc. Après, en plus, surtout, c'est quand elle s'intéresse pas du tout à ça. Elle a subi un traumatisme très personnel et les souvenirs de ces événements resteront gravés dans sa mémoire pour le reste de sa vie, j'imagine. Aujourd'hui, elle poursuit sa carrière et vit avec son nouveau compagnon, heureuse de goûter à une vie enfin normale. Voilà. C'est magnifique. Donc c'est ça, ça a duré de 1965 à 1989. Suzanne Braun. Je pense que c'est ça. Bah oui, donc ça a duré 24 ans. Sais pas, ça je comprends pas, sûrement. Voilà, et ici c'est marqué, hein, voilà. Et plus étrange encore. Suzanne Braun. Voilà, et je coupe là, pas très long, mais toujours très intéressant. À plus, j'ai dû la refaire à cause de ça, c'est vraiment con, hein, à cause d'une musique, droit d'auteur, j'ai pas pu, voilà. Peut-être quand je pense que ça passe en France, mais bon, après, est-ce que ça passe partout, Belgique, tout ça, voilà, enfin, je sais pas. Je sais pas. En Belgique, ça, je pense pas. Je pense que c'était bloqué. C'est dommage. Je préférais la refaire, c'est tout. Allez, à plus, merci, à bientôt.